Allez, c'est parti pour la suite de Suikoden 2. Donc on est arrivé devant la porte du boss, mais voilà quoi, on n'a pas encore le joyau carré. Ça me fait penser à Zelda un peu. Donc, attendez, est-ce que c'est pas par là? Non, c'est vu bien fait. Je me paume tout seul là. Ah oui, maintenant qu'on a écoulé l'eau, il faut retourner par là. Alors attendez, je me trompe pas. Même si c'est ce que je suis en train de faire, à mon avis. Ouais, je suis en train de me paumer complètement. Ouais, donc là il faut passer par là où il y avait l'eau avant. Donc on va descendre. En fait, j'avais pas oublié le coffre alors. Bon, là ça pourra donner pas mal d'XP. Ah bah oui. J'essaie d'avoir la rune de Joey, sauf que je fais déjà l'attaque. Je suis bête. A savoir que si vous faites auto, ils vont tous faire attaquer. Hein. Obligatoirement. Hein. Ah, et on va se faire massacrer. Hein. Pas qu'il crève. J'ai un peu fait le con. Hein. C'est pour aller quand même. En plus, là on est sûr de tous les toucher quoi. Parce que ça c'est pas esquivable. C'est quoi? Putain! Eh mais oh! Comment il abuse lui? Avec sa gueule d'E.T. là. E.T. l'extraterrestre, hein, pas le. Pas celui qui fait les vidéos. Hein. Alors. 14. Putain, on a des bons trucs des fois sur les ennemis, c'est un truc de fou. Même si c'est trop rare. Putain, alors là, le boss, mais... On est prêt, là. Hein. Tunique, bon. Manteau de cuir. Ouais, déjà, des tuniques, hein. Ouais, ça doit être ça. On descend. Merde. Bon, bah alors, c'est par où, putain. Go. Je suis certain qu'il y a une autre version de cette attaque, mais c'est bizarre. C'est peut-être dans des niveaux plus avancés. Quoi. Je sais pas si ça va suffire. Parce que Rikimaru il a une attaque lente en plus. Merde. Vas-y, défonce-le. Merde. De le battre là. Oh, ouais, il fallait pas grand chose en plus. Hein. Plein de fric. Putain, y'a pas quelqu'un qui a des. Il la remède. Ouais. 3 remèdes encore. Je suis un peu à court là. Dans la bruit. Donc ouais, je pense qu'il faut attendre de l'autre côté, le truc. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la mort, moi. Ouais, je vais qu'elle peut faire ça. Hein. C'est marrant d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelques trucs avec ce moment. Pourtant, je pense que certains, on peut le faire avec celui du personnage principal. Peut-être avec tous en fait. Oh, oh non! Aïe aïe aïe! Saloperie! Putain, ils sont forts hein! On va quand même y aller à la bourrin. Au pire, s'ils sont vraiment trop résistants, j'utiliserai la rune de Joey pour les éclater. C'est ça qui fait chier dans ce jeu, il n'y a pas de. Vraiment de moyens de se régénérer à fond. Même si c'est avec le point de sauvegarde. Quoi.
Donc je vais te garder les objets sur nous. Enfin, alors lui il va prendre. On continue. C'est excellent. Les KO, il atteint. Normal. Moi, ça a toujours fait marrer comment il monte du doigt comme ça avant de faire l'attaque. Ah bah, on a pas fait le combat pour moi. Bon, je sais pas s'il utilise ma rune ou pas. Bon, alors je vais garder pour l'instant. Et puis, ouais. Les autres, on va les laisser. Ah, est-ce qu'il faudrait pas monter là par là? Non. Descendre. Non plus. Putain! Je suis perdu. Voilà, ça fait donc rien. Putain, mais c'est pas possible, merde! Oh putain de merde! Bon, on s'en fout. 3300 poches. C'est pas possible. Comment on descend ici, putain? Attendez, mais merde, c'est quoi cette connerie? Ta gueule! Excusez-moi, je suis vulgaire, mais ça m'énerve. Là. Comment on sort d'ici? Attendez, si on va encore plus bas, on pourra pas remonter, il y a la grille. Putain, je hais ce donjon de merde là. Putain. Si on remonte. Ah bah tiens, on va oublier ça. Au moins, on aura pas perdu notre temps. Et là, soit on descend, on est niqué, c'est ça? Ouais, bon. Pas moyen de descendre quelque part là? Si, là. Oh, c'est quoi, c'est quoi? Non, mais sérieux là, oh! C'est du délire! Putain, mais je suis vraiment une couille là, c'est pas possible. Putain, mais je suis con en plus. Mais attends, mais il y a un truc que je vois pas là, c'est obligé. Si on monte, peut-être. Mais merde. Ah bah, encore heureux qu'on peut fuir facilement, hein, parce que sinon, ça serait vraiment la fin pour moi là. Attendez, je vais retrouver le truc, c'est obligé. Putain, c'est quoi ça? C'est pas pour redescendre? Non. Putain, mais si. Ah. C'est comment, putain? Qui ressemble à rien, là. Je sais pas, putain, y a bien un endroit où on peut descendre du truc. À tous les coups, c'était tout en haut là où on a fait le truc et le boom de l'école. Je parle comme un connard. Là, je fais le gros lâche là, mais je vois pas trop comment faire autrement. C'est pas par là. Merde, ok. Non! Oh putain! Mais putain de merde! Sérieux quoi? Oh putain, j'en ai marre! Excellent! Ah là, c'est moins excellent! Bon, écoutez, je me saoulais là! Je m'en veux! Si tu pas joué, ils sont morts. Voilà. Putain, ils sont encore vivants, c'est le cas. Putain de... Je crois pas, là. Allez, putain, massacrer. Je crois que la quête de Clive, je vais pas pouvoir la faire. Hein. Bon, la quête de Clive, en fait, c'est une quête, vous verrez, il y a un berceau qui s'appelle Clive. Et une fois qu'on l'a, il y a des trucs à faire vite fait dans le jeu.
en moins de d'un certain temps en fait. Faire tel truc en moins de 10 heures, ensuite tel truc en moins de tel temps de temps, etc. Ça sert à rien, hein, c'est juste pour voir des trucs. Pour voir son histoire en fait. Mais bon, j'aurais bien voulu vous le montrer. Je ferai une vidéo spéciale dessus, tant pis. Ouais, là, je... heureusement hein, qu'ils m'ont laissé passer, parce que je crois que j'aurais pété un pont. Oh putain, non! Oh putain! Oh putain! C'est pas possible d'être aussi con, putain. Oh là 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 là. Oh non! Mais non! Oh, mais là, mais je passe pour un con! Putain, mais j'ai de la merde dans les yeux là, c'est pas possible. Comment j'ai pu ne pas voir ça, quoi? Oh, mais merde! C'est ça, loupe-toi. Ah là 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 là. Et allez. En fait, c'est des grilles ça, moi je croyais que c'était pour descendre. Je suis grave quand même. En fait, ce donjon il est pas compliqué du tout, c'est juste moi qui suis complètement con. Ah bah moi je veux surtout me faire défoncer par le boss. Bon, je sais où il est mais j'aimerais bien aller chercher le coffre d'abord. Voilà. Ah bah ça valait le coup là. On va pas redescendre plus hein, parce qu'à un moment il y a de la merde. Et on va leur faire trop de vin. Comme ça ils sont bourrés. Je dis de la merde en plus. C'est pas roulé. Tant que la chance était avec moi, ça va. Je fais trop le peureux là, mais bon. Ah bon. Qui a des trucs là pour soigner? Toi. Putain, je vends tout quoi. Et Marlu, je lui ai botté le cul, mais... Oh putain. La honte, quoi. Dire que j'aurais pu le faire en quelques minutes. En même temps, on peut pas choisir nos persos, là. Le gros cliché de... Le jeu. Je pense qu'on peut non, ça. Je rends un con en fait, moi pourquoi je vous ai dit qu'il y avait un boss? J'aurais dû vous laisser la surprise. Ah voilà, c'était ça qu'on voyait sur cette statue. C'est un combat sérieux pour nous. Ouais, les effets de lumière sont assez bons. Même si ça fait des dégâts de merde. Genre.
d'accord. C'est marrant quand on fait ça sur des gros ennemis. On a plus que tu peux soigner maintenant. Attaque famille à chaque fois. Lui tout le temps attaqué. Lui. Que ça aussi. Et attaquer tout le temps pareil. Bon, on aurait dû leur remettre des remèdes. Oh, des branleurs là. Ah, bah c'est là. Oui, je vous ai dit qu'il y avait des versions de l'attaque. N'importe quoi. Et c'est la régénère. Alors une épée noire, ça rend une rune puissante. Enfin la nôtre aussi est très utile. Ouais, j'ai encore de quoi faire là. Avant de me soigner. Bon, le problème c'est que les combats sont hyper répétitifs du coup. Mais n'empêche que vous voyez qu'avec la deuxième version de l'attaque, ça la déséquilibre pas et ça reste moins. Il me semble que ça fait moins de dégâts par contre. Et ça le fait plus rarement aussi. Oh, allez, encore une fois. Allez, elle sert plus à rien, Milly, là, une fois que l'utilisation de Bonaparte. Mais bon, en Bonaparte, ça fait toujours une grande maison. Et puis de la merde. Chaque fois j'ai l'impression que comme ça devient noir que c'est le combat qui est fini. Voilà. Le truc qu'il faut se rappeler c'est qu'il attaque toujours en dernier, c'est con. Voilà, on a largement le temps de se préparer quoi. Il en reste plus deux. On a qu'on devrait pas faire, ça aurait tout fait de faire l'attaque à deux. Heureusement qu'il est hyper lent cet ennemi. Ce qui fait qu'il est faible. Enfin. Des dégâts pas trop mal on va dire, mais. Vu qu'on sait qu'on pourra se soigner avant qu'il attaque, on attaque toujours, on attend toujours le dernier moment pour attaquer, c'est bon. Tranquille. Et voilà, un jeu d'enfant. Eh, en plus on est full vie. On est full life. Mentos. Allez. Bon, je me suis rattrapé sur la fin de la vidéo là. Je pouvais plus dire. Donc quel est donc ce trésor? Haha. Attention. Le bruit. Oui, c'est une herbe pour soigner. Ouais, génial. On devrait revendre le coffre, ça sera plus cher. Bon là, vous doutez que je vais pas me taper tout le donjon dans l'autre sens. On va se prendre un talisman évasion, et puis c'est tout. NON!
On peut pas. Parce qu'il doit y avoir une scène à la fin de la sortie. Attendez. Et même là, on peut pas. Ah si, putain, j'ai peur. Ouais, oh. Bon, je vais quand même prolonger un petit peu la vidéo. Bon, j'ai pas pour habitude de faire des vidéos de 30 minutes là, mais je pense pas qu'elle fera 30, mais. Parce que ça serait con de couper maintenant, parce que c'est presque fini. Bon, on peut pas. Attends, y'en avait pas trop tout à l'heure, des petits. Putain, elle s'est tapé un cochon quand j'étais pas là. Tranquille. L'autre, c'est Pete, hein, son fils. C'est en avril, non, je sais pas. Je vous lis là, j'enregistre, on est le 2 avril. Je dois trouver un docteur ici, Muse, on peut pas y aller. En pleine forêt. Bon là, ce qui est débile, c'est que c'est déjà ce qui va se passer. Quoi. Tout est cramé quoi. À moins que le remède ça soit du charbon, je vois pas trop ce qu'il y a pas. Ah bah si, je sais. Là j'ai une illumination, là, je sais pas pourquoi. Je sens qu'il faut chercher une certaine herbe curative. Parfumée à la semelle de chaussures. Ouais, c'est là. Non, c'est pas là. Ça, y a des clients qui dorment tranquille. Bon, je trouve ça légèrement débile, cette histoire. Bon, une histoire inventée, je pourrais en laisser passer, quoi, parce que... De une, il y a 5 minutes, elle avait rien du tout, là. Hein, d'un coup, comme ça, elle est malade comme par hasard. Et de deux, comme par hasard, le trésor, c'est le joueur plus ratif, quoi. Enfin, c'est juste pour lui donner une leçon, quoi, en plus. Ouais. Une manière de le dire aussi. Trop musique de Skadoff Arcadia, je trouve. Quoi le dit, c'est lequel? Putain, mais des fois il y a des traductions, on comprend rien.
Bon, ça, dans l'ensemble, la traduction est vraiment bonne, mais. Mais bon, je sais pas, il y a des phrases bizarres. Une petite faute, mais bon, c'est pas grave. C'est comme. Il dit que ça sert à rien. Mais elle est toujours choquée. Bizarre, hein, pourtant il est intelligent, je oui, mais il est pas allé chercher la pterotide. Il a paniqué. Je sais pas pourquoi là ils ont pas mis le laisser passer pour moi. Encore un robot, t'sais. J'adore ça. J'imagine on revient. Bonjour, ça fait 300 poches. Et on vous a sauvé la vie. Donc votre lit au deuxième étage. Avec vue sur la forêt. Bon, on a compris. Alors, ben. Ouais. On va faire ça. Voilà. Voilà. Donc je vous quitte ici et on se retrouve à la j'arrive plus à parler. Amuse pour la prochaine vidéo. Bon, je vais essayer de plus me perdre. Allez. À la prochaine.